matin. Plus les heures passent et plus l'inquiétude grandit chez les proches de Simon Gauthier. Oui, effectivement, toujours aucun signe de vie de ce jeune randonneur français perdu dans le sud de l'Italie depuis maintenant une semaine. Il avait envoyé, on le sait, un message au service de secours indiquant qu'il était tombé d'une falaise non loin de la côte et qu'il avait les deux jambes cassées. Des renforts doivent être dépêchés sur la zone pour les recherches. Le problème, Victor Delande, c'est qu'on ne parvient pas à localiser précisément l'endroit où Simon est tombé. Hein. Oui, pour essayer d'être le plus concret possible. Lionel, les secours italiens cherchent actuellement ce randonneur français de 27 ans sur une zone de 20 km². Une mission quasi impossible compte tenu du relief de la région. Simon Gauthier est parti de Policastro, un village à 200 km au sud de Naples. Il longeait des falaises, des à-pics. La zone est donc extrêmement difficile d'accès. Mais ce qui pourrait aider les secours, ce sont les coordonnées GPS du téléphone portable de Simon Gauthier. Et c'est là où ça bloque. Google est en mesure de les fournir. Mais la société américaine doit d'abord avoir une autorisation écrite des autorités italiennes. Et d'après un ami de Simon Gauthier que j'ai pu joindre en Italie, cette demande prend beaucoup de temps. Les autorités italiennes n'auraient fait cette demande que très tardivement. Et donc aujourd'hui, on est toujours sans possession de ces données géolocalisées d'une dernière position où se trouvait Simon. Par ailleurs, selon nos informations, les secouristes viennent juste d'obtenir une indication capitale. Un couple d'Italiens aurait aperçu Simon Gauthier jeudi 8 août en fin de journée sur une plage. Il était en train de dessiner, ce qui correspond parfaitement au personnage, selon ses amis. Cette information va donc permettre aux équipes de secours italiens de resserrer la zone de recherche. Merci Victor Delande.